aime le Seigneur? Ah, je ne suis pas convaincu. Suis-je en conquis? Combien aime le Seigneur? Amen. Combien aime tant le Seigneur que vous êtes venu avec la Bible? Amen. Ah, voilà, j'ai vu trois Bibles, ce pas grave. On va prier pour les autres. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, tu sais parfois quitter les 99 justes pour aller chercher une personne. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour cette grâce que tu nous donnes de prendre le pain, de prendre le vin, de t'adorer, de prier ensemble, d'avoir la communion fraternelle. Merci pour les enseignements bibliques, les formations. Merci parce que tu donnes dans cette Église l'occasion à nos bien-aimés d'aller encore plus profondément dans ta parole. Mais ce matin, tu veux parler à une personne. Ce matin, le ciel s'ouvre, les anges plongent leur regard pour une personne. Ce matin, l'Église est en prière pour une personne. Beaucoup se sentiront à l'extérieur ou peut-être pas trop concernés par ce message, parce que tu vas chercher une personne. Et Seigneur, tu as une parole pour une personne aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Esprit de Dieu, j'ai confiance que tu sais sacraliser ces moments pour sauver, ramener à toi une personne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, tous ceux qui l'aiment disent ⁇ Amen, Amen. ⁇ Le titre de mon message est celui-ci. Un nouveau départ avec Dieu. Amen Jésus a devant lui deux groupes hostiles aux antipodes qui vraiment s'opposent dans toutes les mentalités. Il a d'un côté des gens... Qui ont épousé euh, le style de vie gréco-romain, permissif, laxiste, euh, tout le style de vie épicurien, de, de, de la recherche du plaisir et du bonheur. Et de l'autre côté, il a des gens très religieux, on pourrait même dire des gens même légalistes, les pharisiens, les gens vraiment au pied de la loi. Et les pharisiens font des reproches à ceux qui sont. Euh, vraiment très, très permissifs qui se sont lâchés dans le péché, dans le mal et tout. Si vous ne savez pas, c'est quoi le mot péché Je vous comprends parce que c'est un mot qui n'est plus utilisé dans la société aujourd'hui. Hein? Vous pouvez aller voir dans le dictionnaire, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ce matin, mais le péché, c'est de faire le mal. Et Jésus a ces deux groupes qui s'opposent devant lui. Alors, il va raconter une histoire, l'histoire d'un Père. Le Père, c'est Dieu. Et si vous voulez bien, très simplement, ce matin, on va traverser cette histoire ensemble parce que cette histoire a été rédigée au ciel. Que vous le croyez ou non, cette histoire a été écrite au ciel. Jésus a dit qu'il donnait les paroles du Père Céleste. Donc, cette histoire, elle a été écrite au ciel. Jésus l'a racontée. Et elle a fait des millénaires. Elle a traversé tous les continents. Et elle se rend jusqu'à toi aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire d'un père. Le père, c'est Dieu. Et le père a deux fils. Il a un cadet et il a un aîné. Les deux sont mâles, vous allez le voir. Mais le père les aime. Et le père va les chercher. Le premier fils, c'est le cadet. Et si vous voulez bien, on va, on va le lire ensemble au, au verset 11. Un homme avait deux fils. Ah, vous ne saviez pas, je suis désolé, je croyais que vous saviez. C'est Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, au verset 11. Un homme avait deux fils. On pourrait même dire que ces deux fils représentent. Le monde entier. Tout le monde se retrouve dans ces deux fils. Vous êtes soit l'un, soit l'autre. Mais il n'y a pas de troisième. Pour Dieu, il n'y en a que deux. Et avec Dieu, il n'y avait que Dieu n'a que deux types de fils et de filles. Mesdames, je vous aime de tout mon cœur, mais Jésus parlait des fils. Donc, je ne suis pas en train de dire que les femmes n'iront pas au ciel. Mais la femme est incluse ici. OK, on parle de l'humanité. Dieu a deux types de fils et toute l'humanité se retrouve dans ces deux types. Mais je vais aller plus loin. Les deux fils sont dans chacun de nous. Soit que l'homme devient quelqu'un de très, très permissif qui va vers le péché, soit que l'homme ira vers une vie religieuse. Mais l'homme sera l'un ou l'autre. Soit vous allez développer une vie religieuse, ou soit vous allez développer une vie permissive. Maintenant, on va donner deux noms à ces fils. Le cadet, on va l'appeler le libertin. Ça vous va? Hein, vous comprenez c'est quoi, un libertin? À Paris, vous avez tout compris déjà. Le deuxième, le, le, peut, le libertin, tout à fait Paris, tout à fait le style de vie de Paris, hein, une ville libertine connue mondialement, historiquement, comme peut-être même le, le siège de, de, de la vie libertine Paris. On peut l'appeler aussi le laxiste, parce que le laxisme, c'est « on se la prend cool, c'est pas grave, c'est pas grave, on banalise tout, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, en autant que je fais de mal à personne. » C'est ça le laxisme. Le deuxième, on va l'appeler le légaliste au pied de la loi. Le cadet vient vers le Père, pas l'aîné, regardez bien, le cadet, le jeune, il vient vers le Père et il dit au Père, donne-moi mon héritage. Notez bien ceci, peut-être que les chrétiens de longue date, peut-être n'avaient jamais vu ceci. Non seulement le Père donne tout l'héritage au cadet, mais à l'aîné aussi. Souvenez-vous de ceci, les deux reçoivent l'héritage du père. Le cadet prend tous les objets, toute, toute la richesse que son père lui a donnée, la transforme en argent, vend les trucs et tout, il marchande tout ça. Et la Bible dit, il fuit littéralement. Regardez avec moi. Quelques jours plus tard, verset 13, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays très loin. Il veut partir loin. Ce jeune homme, représente aujourd'hui Jésus. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est vraiment extraordinaire. Ses paroles ont une portée qui nous dépasse. Il y a 2000 ans, Jésus a écrit en un mot l'histoire de la France. Il y a eu une époque en France où, ici à la Bastille, on a coupé des têtes, on a tout brûlé, on a tout cassé, parce qu'on voulait une société sans foi ni loi. Qu'est-ce qui fait ce jeune homme? Sans foi ni loi. Il part pff, très loin. Il y a eu un moment dans l'histoire de la France où on ne voulait plus de la foi. On n'en veut plus. Jésus ne dit pas ce qu'il a vécu, ce jeune homme, mais il a vécu une mauvaise expérience. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire, le père est extraordinaire. D'abord, il est riche. Tout ce que le jeune homme cherche, c'est le papa qui l'a deuxièmement il est bon il est plein d'amour donc le fils on peut je fais des, vous dites, oh, tu fais des déductions mais c'est quand même très logique ce que je dis le fils ne connaît pas son père la france n'a pas encore connu dieu elle a connu une religion qui l'opprimait elle a connu une religion qui l'a déçu, elle a connu une religion qui s'est servie peut-être de la bible pour des intérêts personnels pour faire mal mais le fils n'a pas encore vraiment connu le père, parce que le père est bon. Il a tellement une mauvaise image de son père qu'il veut partir très, très loin. Très loin. Et là, la Bible dit on continue ensemble, la Bible dit il s'en alla dans un pays lointain, il gaspilla cette fortune. Si vous êtes chrétien de longue date, vous connaissez cette histoire comme étant l'histoire du fils prodigue. Prodigue, celui qui a dilapidé ses biens, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a jamais intitulé cette histoire l'histoire du fils prodigue. On peut lui donner le, le nom qu'on veut. On pourrait le dire, on pourrait tout simplement dire c'est l'histoire d'un père qui perd ses deux fils. Vous allez voir le deuxième aussi est perdu. Et donc le fils part. C'est très intéressant parce que dans le grec, ça dit littéralement que le fils a dissipé ses biens de façon irréfléchie, incontrôlable et même risquée. C'est impressionnant. C'est un peu comme ce qu'on appelle le craving. Vous connaissez le craving en anglais? C'est le désir insatiable. On dit « sugar craving », il te manque de sucre. Qu'est-ce qui t'arrive? 14h l'après-midi, tu pas eu le temps de déjeuner, oh, tu es au bureau et tout, oh, tu as besoin de sucre. <coughs> tu sors du bureau, tu vas chez Monop, et qu'est-ce qui arrive? Au lieu d'acheter un petit truc, tu achètes trois barres de chocolat. Tu en prends trop. Tu en as tellement manqué que tu en prends trop. Le fils... A tellement manqué de bonheur qu'il va trop loin. Il dissipe. Et, et même Jésus dit il, il, il est risqué, il dilapide. Et même plus tard dans l'histoire, son frère lui dit le grand frère lui dit mais il a couché avec des prostituées, il a fait n'importe quoi de sa vie, il, il a tout bousillé, l'héritage que le Père lui a donné, c'est pas possible. En fait, il y a quelque chose qui lui manque tellement à l'intérieur qu'il va passer dans un extrême. Pourquoi Je ne vois qu'un contexte qui crée ça, c'est le légalisme, la religiosité. Je vous explique. Je parle par expérience. J'ai été pasteur de jeunes pendant dix ans. Après, pendant sept ans, j'ai tourné en France dans presque toutes les églises francophones d'Europe. Et j'ai toujours remarqué un phénomène. Plus les parents chrétiens confinent, retiennent leurs enfants, par peur qu'ils aient dans le monde péché. Vous savez ce qui se passe Ils sont en train de créer ce qu'on appelle un phénomène d'élastique. Ils sont en train de préparer le lance-pierre. Ils ne s'en rendent pas compte. Plus tu tires le jeune et que tu l'empêches d'aller explorer, à un moment donné, ça va péter et il va y aller. Il va faire pire que des jeunes qui ne sont pas chrétiens. Je l'ai vu. J'ai connu un directeur d'école chrétienne au Canada, c'est un ami à moi, il m'a dit, Christian, les enfants des chrétiens font pire dans la cour d'école que les enfants des non-chrétiens. Ils se cachent pour fumer de la drogue, ils veulent, tout, ils veulent goûter à tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là, mais il y a quelque chose qui voulait vivre. Moi, je ne vous parlerai pas trop de ma vie privée, mais ma femme et moi, avec tous les erreurs qu'on a faites, on a quand même toujours cherché à ne pas obliger nos enfants à suivre Jésus ça doit être un choix. La religiosité, le légalisme, c'est d'imposer à des gens, forcer les gens à suivre Jésus. Ne force pas ton mari à suivre le Seigneur, ça va être pire. Allô Personne n'a dit amen. En train de cogiter là. Ne forcez pas vos enfants à suivre Jésus. Ne tapez pas sur un membre de votre famille qui ne veut pas venir à l'église. Ne forcez personne qui veut venir à l'église. Vous allez gagner à court terme, mais vous allez perdre très gros à long terme. Peut-être que ce fils travaillait dans les champs avec son frère. Parce que regardez bien, Jésus présente les deux fils à l'extérieur de la maison. Ils sont jamais à l'intérieur. Ils sont à l'extérieur. Mais le bonheur est à l'intérieur de la maison. Le bonheur, il est dans la grâce, dans l'amour de Dieu, dans la présence du Père. On peut vivre une vie de religiosité, de foi, sans être dans la présence de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire Dites, Oui, non Peut-être réfléchissez. Et il y en a un des deux qui a dit c'est pas possible, cette vie-là, elle est misérable. On a perdu une génération comme ça. On a perdu la France. Mais je veux même aller plus loin. Je le dis par expérience. Les églises évangéliques, nos églises évangéliques, ont perdu une génération. Des parents pas, pas tous, hein? on parle de globalité, de grandes tendances. Il y a toujours des exceptions. Mais globalement, il y a une, parce que j'ai fait presque tous les rassemblements de jeunes en France pendant sept ans, je, je vous le dis, du moins les témoins, je l'ai vu de mes yeux, plus on force les jeunes à venir à l'église, à suivre Jésus. Voilà. Un jeune vient voir son père, papa. On il y en a, ça va vous gêner qu'on entend des choses comme ça à l'église, mais il faut se dire les vraies choses. Un jeune vient voir son père. Papa, pourquoi je peux pas coucher avec ma copine si je me protège Le père est bouleversé. Il n'a jamais répondu à une question comme ça. Il n'est pas équipé, il n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il lui dit euh, Non, parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça. Il a demandé pourquoi. Et on lui répond, tu le fais pas, c'est tout. Maman, pourquoi on va à l'église pose pas de questions, on va à l'église. On prie. Il y a des parents qui obligent leurs enfants à prier. Ils les mettent à genoux. Ils les obligent à lire la Bible. Et là, à un moment donné, à trois ans, on peut soupirer. <coughs> un enfant de cinq ans, il peut faire... Mais un enfant de 17 ans, il prépare son départ. Et à un moment donné, les deux bras des parents tombent. Mais pasteur, je l'ai éduqué dans les voies de Dieu toute sa vie. Non, non. Ce n'était pas ça, les voies de Dieu. Ce n'était pas la maison du Père. C'était... Une sorte de foi ou de religiosité qui oblige les gens. Tu poses pas de questions, tu obéis. Ça c'est la religion. Allez voir la majorité des religions autour de vous. Vous savez comment les gens suivent leur propre foi. Moi j'ai parlé avec des gens de d'autres foi, de d'autres religions. En général les gens, tu poses pas de questions, tu obéis, tu fais comme ça. Mais pourquoi on prie cinq fois par jour Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi on fait des chapelets Pourquoi ci Pourquoi ça Ne Pose pas de questions, c'est comme ça. Eh bien il y a une génération qui se lève et qui dit si je comprends pas, je m'en vais parce que je peux dilapider quelques biens. Je peux aller faire la fête là-bas. Et puis ils y vont. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, quand ce jeune part, il arrive à la fin, la Bible le dit. Et lorsqu'il eut dépensé tous ses biens, une grande famine survint. Et c'est peut-être toi, cette personne aujourd'hui. C'est intéressant de parler avec des Français qui ne savent même pas.. Euh, la majorité des vrais Français, hein. si vous n'êtes pas un vrai Français, vous êtes comme moi, je ne suis pas un vrai Français. Mais beaucoup d'entre nous, on vient de différents pays, de différentes cultures, de différents passés. Mais le vrai Français gaulois, il ne peut pas vous nommer trois disciples de Jésus. C'est vrai, j'ai raison, j'ai raison. Moi, j'ai vu des, des gens me dire, Pasteur, expliquez-moi, parce que je suis venu à l'église, je pensais qu'Abraham et Moïse, ils étaient ensemble et qu'ils suivaient Jésus, là. C'est tout perdu. C'est vrai. Et à un moment donné, ce jeune homme-là, il arrive au bout. Une grande famine survint. Et il vient un moment dans ta vie que tu es grandi dans une famille chrétienne ou pas. Il vient un moment où tu es au bout du plaisir du monde. C'est vrai. Hein? Il arrive un moment où tu prends du recul et tu dis, je peux gagner 10 000 euros par mois. Chut, franchement, ça ne marche pas. Je suis pas heureux à l'intérieur. Lorsqu'il arriva au bout, la Bible dit, une grande famine survint. La famine, elle est déjà là. C'est juste que, on essaie tellement de se faire plaisir, de se faire plaisir, de se faire plaisir, de se faire plaisir. C'est merveilleux, une journée sans voiture sur Paris, c'est merveilleux, mais ça ne va pas changer le monde. Ça va pas réduire la pollution. Les Parisiens sont tout contents de marcher sur les Champs-Élysées aujourd'hui, hein? mais ça ne va pas les rendre plus heureux. Et puis on peut leur offrir tous les week-ends de faire toutes sortes de sorties, on peut se payer les meilleurs restaurants de Paris, on peut aller voir les meilleures foires, on peut faire les plus beaux jardins, vous pouvez visiter tous les châteaux que vous voulez, mais à un moment donné, tu arrives au bout. Tu peux t'offrir les plus beaux billets d'avion, première classe, aller faire le tour du monde, mais à un moment donné, tu as fait le tour du jardin. Et tu arrives sur toi-même, et ce jeune homme-là arrive sur lui-même, et il se dit, je suis malheureux. La plus belle étape de ta vie, le début de l'espoir, c'est quand tu avoues que tu es malheureux. Tu dis, je ne suis pas bien ici. Et là, le jeune homme, il cherche du travail. Vous connaissez l'histoire? Il, il a plus rien, il cherche du boulot. Et un homme accepte de le payer pour surveiller des porcs. Chez les Juifs, les porcs, c'est la honte. Donc, il se retrouve à faire quelque chose de honteux. Et je vais vous dire. Pour moi, le système le plus honteux du monde, c'est celui-ci. Se lever le matin, prendre le métro, aller travailler pour rentrer le soir, épuiser, faire la lessive, aider les enfants à faire le devoir, aller voir sur Facebook ce que mes 14 amis font, et tomber épuisé dans mon lit et n'avoir aucun sens à ma vie. Ça, ça c'est une vie malheureuse. Chez nous, on appelle ça métro-boulot-dodo. Métro-boulot-dodo, métro-boulot-dodo. C'est vrai, hein? Ici aussi? Ah ben voilà, ça vient peut-être de la France. Mais à un moment donné, il faut qu'il t'arrive quelque chose. Et que tu te dises, je suis malheureux. C'est pas possible, c'est pas, pas, pas ça la vie. Et là, tu rencontres quelqu'un qui fait métro-boulot dodo, et il est heureux. Eh bien, c'est un chrétien. Parce que nous aussi, on fait métro-boulot dodo, mais on a un sens à notre vie. Amen. Il y a quelque chose qui nous a comblés. C'est qu'on n'est plus <coughs> dans ce système. On travaille, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ah là, pasteur, vous me faites peur là, vous êtes un extraterrestre. C'est un petit peu comme un extraterrestre. Je suis un extraterrestre. Vraiment, vraiment. Je suis un ambassadeur de Jésus, sur terre. Je vis pour un autre royaume, je ne vis pas pour ici. Maintenant, j'ai besoin de payer mes factures comme vous. Mais il y a un certain détachement dans mon cœur. Parce que j'ai un bonheur. Amen. Le pasteur Didier est venu au premier culte, saluer l'Église et remercier l'Église pour, pour les prières. Parce que sa femme, Isabelle, est couchée sur un lit de souffrance. Si vous voulez voir une femme de Dieu, pensez à Isabelle. Parce que dans sa souffrance, elle a un sourire. Parce qu'elle ne vit pas pour ici. Elle vit pour le ciel. Et là, le jeune homme, la Bible dit. C'est très intéressant, ça dit ceci. Il voulait que quelqu'un lui donne un bout de ce que les cochons mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Il n'y avait personne pour lui en donner. Et l'espoir vient dans ta vie quand tu réalises que personne ne peut t'en donner. Personne ne peut te rendre heureux. Ah, au début, ça marche, ton premier chèque de paye. Ton premier bonus, ta première augmentation, ton premier voyage, ton premier ci, ton premier ça, ta première copine, ton premier mariage. Mais le temps passe vite. Et à un moment donné, tu te dis, mais personne ne peut m'en donner. J'ai marié une femme extraordinaire. Vraiment, ma femme, c'est un ange. Elle est extraordinaire. Elle est merveilleuse. Je pourrais vous parler d'elle, mais je suis dû m'en demander de prêcher l'Évangile. Mais je pourrais vous parler de ma femme, elle est merveilleuse. Mais vraiment, je vous dis ceci, devant Dieu, elle ne peut pas me rendre heureux. Mais non, ta femme te rend heureux. Non, non. Je, je ne suis pas heureux. Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas me donner. Personne ne peut lui en donner. Ma femme ne peut pas me donner. Vous savez pourquoi les hommes changent de femme Globalement, en général, on parle de, de grandes tendances. Les hommes changent de femme parce qu'ils disent, tu n'as pas pu m'en donner. Tu n'as pas pu me donner le alors que je voulais. 100% des gens se marient pour que l'autre lui donne quelque chose. Quand on est chrétien, on se marie dans l'inverse. On ne se marie pas pour que l'autre nous donne quelque chose. On se marie parce qu'on a tellement donné. C'est vrai, hein? J'ai raison, j'ai raison. C'est comme ça, l'Évangile. Alors, on change de femme. Une deuxième, une troisième. J'ai deux filles merveilleuses. Elles sont extraordinaires. J'aimerais les avoir toujours près de moi, sous mes bras. Mes filles sont merveilleuses. Mais elles ne peuvent pas me donner ce que Jésus me donne. Ma femme ne peut pas me le donner, ma santé ne peut pas me donner le ministère. Je ne trouve écoutez-moi bien là. Je ne trouve pas mon bonheur ici devant vous, la Bible ouverte en enseignant la Bible. Ce n'est pas ici que j'ai trouvé mon bonheur. C'est pas ici. Ici je suis venu annoncer le bonheur que j'ai trouvé. Mon bonheur n'est pas à être pasteur. Mon bonheur n'est pas à servir l'église. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des gens qui sont des enfants de Dieu il cherchent encore le bonheur. Ils pensent avoir des nouvelles responsabilités, faire un nouveau projet, aller ceci, aller là-bas, faire ci, faire ça, devenir quelqu'un, être plus important dans l'Église. Ils vont trouver le bonheur. Tu ne trouveras pas le bonheur. L'Église, elle est là pour annoncer le bonheur qu'elle a trouvé en Jésus. Donc, personne ne pouvait lui en donner. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce que tu cherches, personne ne peut t'en donner. Ni les politiques, ni l'économie. Quand je suis arrivé en France en l'été 2006, j'ai vu un homme qui s'appelait M. Sarkozy. Il est venu à la télé, je ne le connaissais pas. Il a dit aux Français, « Je vais augmenter votre pouvoir d'achat. » Ah, les Français l'ont mis président. Après, il y a eu une crise en 2011. Hein? Grosse crise économique mondiale. Il n'a pas plu, il n'a pas réussi à augmenter leur pouvoir d'achat. Ils l'ont pris, ils l'ont enlevé, ils en ont mis un autre. Parce qu'ils pensaient qu'un homme pouvait les rendre heureux. Le problème, ce n'est pas les politiques, le problème, c'est le peuple. Parce que personne ne peut te rendre heureux. Ah, mais je vais devenir médecin, je vais devenir un cardiologue. C'est merveilleux, on a besoin de cardiologues. Je ne peux pas en train de me moquer. Mais quand tu auras terminé tes études, tu découvriras que personne ne peut t'en donner. Ni ta carrière, ni ton titre. Tu peux avoir tous les titres possibles avant ton nom. PhD, docteur machin, docteur de chez docteur, triple docteur, n'importe quoi. Tu peux, tu peux être un grand, grand, grand personnage, mais ça ne t'apportera pas le bonheur. Et découvrir que personne ne pouvait lui ordonner. Tu peux changer de pays. Tu es peut-être arrivé en France pour trouver le bonheur. Et là, tu commences à réaliser, il hey, y a des flux migratoires assez importants hein, depuis quelques années. Pourquoi ces flux migratoires de millions de personnes parce qu'ils cherchent le bonheur. Oui, mais certains vraiment fuient un pays en guerre et tout, je comprends. Mais ils arrivent ici, ils pensent trouver le bonheur et finalement ils finissent à la rue. C'est quand même terrible. L'homme cherche le bonheur. Mais la Bible dit, personne ne peut lui en donner. Il y a une seule personne qui peut te rendre heureux. C'est le Père céleste. C'est le seul. Maintenant, la Bible dit, et là, il prend du recul, le jeune homme. Il se dit... Les ouvriers chez mon père mangent mieux que moi. Alors il se lève. Avez-vous remarqué encore la religion? Les ouvriers, ceux qui bossent. C'est vrai, hein? la religiosité, le légalisme, c'est de bosser pour essayer de plaire à Dieu. On va en parler dans un instant. Mais il se lève, il va chez son père. Mais regardez maintenant le père. Parce que le personnage le plus important de cette histoire, ce n'est pas le fils prodigue, c'est le père. C'est lui qui change tout. Le Père le vit de loin. La Bible ne dit pas à quelle distance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de distance. Dès que tu te lèves dans ton cœur et que tu dis, j'ai besoin de Dieu, Dieu t'a vu. Parce que déjà, il attendait ce moment. Il te regarde aller partout. Il te regarde faire ta vie. Il te suit à chaque microseconde. Et Dieu regarde. Et il attend le moment où tu arrives au bout de toi-même et que tu dis, j'ai besoin de Dieu. Et dès que tu dis, j'ai besoin de m'approcher de Dieu, déjà Dieu a commencé à s'approcher de toi. Tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait dix mille pas vers toi. La Bible dit, il était encore loin. Pourquoi la Bible dit qu'il était encore loin? Parce que la majorité des gens disent, par expérience, c'est ce que j'ai entendu, Pasteur, je vais régler mes choses et je reviendrai à Dieu après. C'est vrai, hein? Je vais arrêter de boire et après je vais venir à l'église. Non. Viens à l'église, Dieu va t'aider à arrêter de boire. Pasteur, j'ai des problèmes avec les femmes. Je vais tout régler ça. J'ai des problèmes de pornographie. Vraiment, je vais me mettre en règle. Et après, je vais venir à l'église. Parce que tu veux venir à l'église la tête haute, fièrement. Mais personne ne vient à Dieu fièrement. Tu as juste à dire, Seigneur, je veux revenir à toi tel que je suis. Seigneur, je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. La tête basse. Il faut revenir à Dieu la tête baissée. Parce que le Père est déjà devant toi. Et la Bible dit, le Père, on va la lire ensemble, regardez bien, au verset 20, comme il se trouvait encore à bonne distance, donc très loin de la maison, son Père l'aperçut, il fut pris d'une profonde pitié ou d'une grande compassion, il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. En grec, c'est très fort. Dans le grec, ça dit, son Père se jeta sur lui. Imagine. J'ai pensé peut-être me jeter sur le pasteur Boulignon, mais je dis non. Mais son père se jeta sur lui. Et dans le grec, ça dit, il, je, je traduis le grec littéralement, il lui fit plein de bisous. Imaginez la scène. Le père qui se jette sur son fils, qui tape ah, mon fils, et le fils est gêné. Hein? Le père, pff, il est tout crade, tout sale. Mais papa, j'étais avec des cochons ce matin, c'est pas grave, je m'en fous, t'es revenu. Ça, c'est l'amour du père. C'est Dieu qui va te changer. Ce n'est pas toi qui va te changer. Son vêtement est crade. Mais la Bible dit, le Père, ouf, il enlève le vêtement, il met un vêtement blanc. Il met un nouveau vêtement. Il met une bague. La bague, c'est l'alliance. J'ai une nouvelle alliance avec toi. C'est moi qui vais reconstruire ta vie. C'est moi qui va te changer. C'est moi qui va faire de toi un homme de Dieu. Ce n'est pas possible, mais après tout ce que j'ai fait, pose pas de questions. Fais juste me suivre. Et où le Père amène-t-il le Fils? Dans les champs, bosser à côté de l'aîné, non, dans la maison. Et là, il y a une fête qui prend place extraordinaire. Parce que le Père a rebâti son fils. Il y a des années, je prêchais dans une église, et la veille, c'était un samedi soir, et un jeune homme qui habitait Londres vivait une vie très, très loin de Dieu. Ses parents étaient chrétiens. Sa mère était chrétienne. Et sa mère priait pour lui. Et ce jeune homme est, est, est allé tellement loin de Dieu. s'est retrouvé même dans des trafics pas possibles. trafiquait des armes, a vendu des gens. Il a fait des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et le samedi, la veille, il vient sur Paris, dans une église. Il va toquer à la porte d'un pote. Il lui dit, euh, ah, je suis là, on va passer un bon week-end ensemble. Mais son ami lui dit direct dans la porte de l'appartement, oh, moi j'ai changé. J'ai rencontré Jésus. Et toi, tu viens avec moi à l'église demain matin. Oh, à l'église. Ah, L'héritage des gens. Hein. Il vient à l'église, il entend le message de l'Évangile, et après la réunion, il vient vers moi et il dit Pastor, est-ce que je peux vous parler Donc, on va dans une pièce à part. Je ferme la porte. Il tombe. Il s'effondre, la face contre terre. Il se met à pleurer. Mais pleurer, <coughs> pleurer comme tu ne peux pas imaginer. Je n'ai rien fait, j'ai juste été témoin. On s'est assis, on a parlé, on a prié ensemble, il a confessé beaucoup de choses. Puis je, on a eu un petit suivi ensemble, mais c'était très difficile d'habiter Londres. Moi, je voyageais beaucoup aussi. Les années ont passé. Huit ans plus tard, cet été, je reçois des nouvelles de lui Pasteur, je vais bien. Je vais à l'Église. Je suis le Seigneur. J'ai réglé ma vie avec Dieu. Dieu m'a changé. Je me suis marié. Ma femme vient d'accepter le Seigneur. Ma femme dévore la Bible. Le pasteur m'a fait confiance. Je fais même les annonces à l'église à Londres. C'est beau, hein? Parce que Dieu a rebâti sa vie. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Ce message est pour une personne. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais peu importe, le plus loin que tu peux aller, ce n'est pas trop loin pour Dieu. Dieu peut sauver ta vie. Dieu peut relever ta vie. Et même si on vit dans un monde où on croit que beaucoup de choses sont permissives et qu'il n'y a pas de problème, tu sais au fond de toi que c'est du poison. Et, et, et à un moment donné, tu n'arrives plus, parce que je l'ai vu avec tellement de gens, tu n'arrives plus à te sortir d'où tu es. Vraiment, écoute-moi aujourd'hui. Tu as juste à dire à Dieu Au secours ». Moi, j'ai vu ce jeune homme en larmes devant moi dire à Dieu Au secours ». J'ai tout détruit toute ma vie et Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé. Il a un très bon emploi aujourd'hui. Il travaille très, très bien. Et Dieu le bénit dans tous les plans de sa vie. Il m'a dit, ma plus grande joie, c'est de voir ma femme et mes enfants dévorer la Bible, aimer Dieu. C'est bon, hein? Mais il y a un deuxième frère, et le temps passe vite, on va terminer bientôt. Il y a un deuxième frère qui est très, très, très précieux pour Dieu aussi. C'est le fils aîné. Or, le fils aîné est en train de travailler dans les champs. Maintenant, première question que je vous pose aujourd'hui, c'est que fait-il dans les champs à travailler alors qu'il a reçu son héritage? Si vous recevez votre héritage, disons, vous passez à la retraite et votre retraite est extraordinaire. Disons que tu as 31 ans et l'État français t'appelle et te dit Madame, vous avez tellement cotisé toute votre vie de façon extraordinaire à l'État qu'à 31 ans, vous passez à la retraite avec une, une retraite énorme. J'espère que vous allez en profiter un peu. Eh bien, il n'en profite pas, lui. Il reçoit l'héritage de son père, il n'en profite pas, il continue de travailler. Pourquoi? parce qu'il est prisonnier d'un système de mérite il bosse dans les champs pour faire plaisir à son père c'est quoi le légalisme souvenez-vous du début de l'histoire jésus a deux groupes devant lui il a des gens qui sont dans la débauche dans le péché dans le mal qui font n'importe quoi avec leur vie des épicuriens des gréco-romains des voilà et de l'autre côté il a des pharisiens très 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 religieux mais n'oubliez pas que Dieu aime les deux. Dieu veut sauver les deux. Et le fils aîné pour moi, c'est le religieux. Le fils aîné pour moi, c'est celui qui bosse dans les champs pour le Père, pour faire plaisir au Père. Le mot légalisme signifie, en latin, parce qu'il n'y a pas d'équivalent du mot légalisme dans la Bible, vous n'en trouverez pas, la Bible ne parle pas de légalisme. C'est un mot que... Le, le latin a inventé. Mais le légalisme signifie légaliste. Loi à. Donc à la loi. Un légaliste, parce qu'on peut définir n'importe quoi. On peut, on peut dire à quelqu'un, ⁇ Ah, tu es légaliste. ⁇ Oh, Pasteur Christian a prêché la sanctification. Il est légaliste. Euh, on touche quelque chose que tu n'aimes pas dans ta, dans ta vie. Euh, tu sais, il faut faire attention. Il faut pas s'habiller de façon trop sexy quand on est chrétien. ⁇ Ah, oh, est légaliste, c'est là. ⁇ Parce que ça ne nous plaît pas. Donc, on peut, on peut dire que n'importe qui est légaliste dans n'importe quelle situation. Le légaliste, ce n'est pas toi envers les gens. Le légalisme, c'est toi envers le Père. Et cet homme est légaliste. Il est à la loi, au pied de la loi. Maintenant, c'est quoi le cœur du légalisme? Le cœur du légalisme, c'est de prendre la Bible et d'essayer de se mesurer. C'est ça le légalisme. Tu regardes ce que Dieu veut. Et tu essaies de le faire pour, faire pour être agréable à Dieu. Là, il y en a, vous êtes en train de dire Oh là là, je suis peut-être pris dedans. Ben oui. Et là, tu dis Tu te mesures avec la Bible. Et après, tu prends la Bible et tu mesures les gens. Et toi, tu n'as pas fait ce qui est écrit. Et tu mesures les autres. C'est ça le légalisme. Le légalisme, c'est de prendre la Bible et de mesurer les gens. C'est le meilleur moyen pour devenir malheureux. Parce qu'on ne pourra jamais être agréable à Dieu. Et là, le fils travaille dans les champs. Et regardez bien à quel point il est légaliste. Il s'approcha de la maison. Dans le français, ça dit qu'il rentra après le travail. Ce C'est pas écrit dans le grec. Ça, c'est un ajout. C'est une erreur de traduction. Il n'aurait pas fallu traduire comme ça. Je le dis vraiment, c'est pas, pas ça dans le grec. Dans le texte original, il est écrit simplement il s'approcha de la maison pour écouter la fête. Donc Jésus présente le premier fils à l'extérieur de la maison, mais le deuxième aussi est à l'extérieur de la maison. La joie, le bonheur est dans un seul style de vie, une communion avec Dieu, acquise par le sang de Jésus à la croix, imméritée. Tu ne pourras jamais faire quoi que ce soit pour être agréable à Dieu. Et quand tu lâches de vouloir être agréable à Dieu, et que tu décides d'entrer dans une communion avec le Père céleste, tu es agréable à Dieu. Et ta communion avec le Père céleste va te changer. Amen. Vraiment, il y a une expression, et si vous l'avez dit, Dieu vous aime. Mais il y a une expression qu'il faut enlever de notre vocabulaire en tant que chrétien. C'est "Je vais travailler sur moi." C'est déjà entendu ça Je travaille sur moi, pasteur. Je travaille sur moi. Je suis en train de me changer. Oh là là Il n'y en a qu'un qui peut me changer, moi. C'est Saint Esprit. Et il y a un seul endroit où je trouve le Saint-Esprit, c'est dans la communion avec le Père. Tu quittes tout système de mérite, de pointage, de te mesurer avec la Bible, de mesurer les autres. Parce que, tu, tu, mais franche, tout le monde est coupable. Hein? Tu vas venir voir le pasteur, il eh, pas fait ça. Mais à un moment donné, il faut lâcher tout ça et dire j'arrête. J'entre dans la maison du Père. Amen. Je viens près du Père. Maintenant, regardez en terminant. L'amour du Père est tel que le Père va sortir vers les deux fils, parce que les deux sont à l'extérieur. Le légalisme, c'est cette certitude que faire le bien attire la faveur de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous montrer un moment extrêmement important, deux moments très, très importants dans l'histoire d'Israël, qui font ensemble, c'est un petit peu compliqué, mais je le dis pour les chrétiens surtout, vous allez me suivre. On appelle ça un miroir biblique. Il y a un événement historique d'un côté. Il y a un autre événement historique de l'autre côté qui sont inverses, mais ils font un miroir ensemble. Okay? Il y a une symétrie entre les deux. La première et la deuxième destruction du temple de Jérusalem. Je le fais très courtement. Si vous connaissez la Bible, la première fois, Dieu a détruit le temple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout bousillé. Il y avait de la sorcellerie dans le temple en Jérusalem. Il y avait des prophétesses sacrées, des prophétesses sacrées. C'était des prostituées. On couchait avec des femmes. C'était devenu n'importe quoi. Et Dieu avait averti son peuple pendant 400 ans, quatre siècles de patience. Dieu avait dit Attention, attention, attention. Je suis bon, mais je suis aussi la justice. À un moment donné, tu ne peux pas continuer à faire des crimes. Il y avait des crimes, il y avait du sang. C'était terrible. Et un jour, la justice de Dieu est tombée. Dieu a détruit le temple. OK Et Dieu dit Dans 70 ans, on le rebâtira. OK? Destruction du temple, 70 ans. Suivez-moi bien. La deuxième destruction du temple, elle arrive 70 ans après Jésus-Christ. Impressionnant. Destruction, 70 ans. 70 ans, destruction. Il y a une symétrie que Dieu fait pour passer un message extrêmement important. La deuxième destruction du temple, Israël n'était pas dans la débauche. Ils n'avaient jamais été aussi religieux. Impressionnant, hein? Et malgré leur religiosité et leur légalisme, Dieu détruisit le temple. Quel est le message de Dieu? C'est que le légalisme, la religiosité, ça sent aussi mauvais que la débauche. J'ai raison, j'ai raison. Parce qu'à un moment donné, le légalisme, c'est que tu fais mal aux gens. Au nom de Dieu. J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Je pense que statistiquement, il y aura peut-être plus de monde qui passeront l'éternité sans Dieu à cause de la religion que la débauche. Pourquoi? Peut-être pas en France, mais dans 75 des pays du monde, ce sont les religions qui prédominent. Et dans toutes les religions du monde entier, les hommes essaient de faire des bonnes œuvres pour préparer leur éternité. Donc, quand un homme refuse Jésus et qui dit non, je vais gagner mon ciel en faisant mes bonnes œuvres, je reste dans ce que je crois, c'est très, 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 très grave aux yeux de Dieu. Le premier temple a été détruit par la débauche, le deuxième temple a été détruit par la religiosité. Le premier temple a été détruit parce que le peuple était libertin. Le deuxième temple a été détruit parce que le peuple était légaliste. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que le Père aime les deux. Le Père t'aime qui que tu sois aujourd'hui. Le Père sortit vers le Fils libertin et le ramena dans la maison. Et le Père sortit vers l'aîné qui ne voulait pas rentrer dans la maison et qui fait des reproches à son père. Regardez comment le deuxième aussi cherche le bonheur, il l'a pas trouvé. Ça ne marche pas. Le deuxième dit au père, tu ne m'as jamais donné quoi que ce soit pour faire la fête avec mes amis. J'aurais aimé être là. J'aurais aimé parler à ce, à ce gars. J'aurais aidé le père un peu. J'aurais dit, écoute mon homme, le père t'a déjà donné tout l'héritage. Pourquoi tu continues à bosser? Tu pourrais passer ta vie dans la maison du père. Pourquoi tu restes dehors? Le Père t'aime tellement aujourd'hui, il te dit: lâche. Arrête d'essayer de faire des choses pour m'être agréable. Prends ma main et entre dans la maison du Père. Arrête de faire tes prières pour essayer d'être agréable à Dieu. Arrête de lire la Bible pour être. Je parle à des chrétiens évangéliques, là. Parce que même nous, les évangéliques, on peut devenir légalistes très rapidement. Les deux dorment en nous. Tu peux prier pour gagner des points avec Dieu. Tout le monde a un genre de système de bonus-malus avec Dieu. Hein? C'est vrai, hein? Ah, et, et, et on entend des trucs chez les chrétiens. Ah, J'ai eu une mauvaise journée, je, je me suis mal comporté. Ce soir, je vais lire la Bible un peu plus longtemps. Ah oui, tu vas gagner des points, OK. Et le père dit, non, tu restes dehors. À un moment donné, tu dis, j'arrête de gagner des points avec Dieu. Prends la main du père et entre dans la maison. Amen Si vous allez, j'ai terminé. Si vous allez dans le deuxième arrondissement, il y a une, une, une tour, et dans la tour, il y a une statue de Blaise Pascal. Or, Blaise Pascal a été le fils laxiste et le fils légaliste. Il a touché un héritage dans sa vie, jeune. On dit qu'il a mis des chevaux devant son char, il se faisait conduire dans les grandes rues de Paris et tout le monde le regardait oh le jeune homme riche tu vois et sa sœur était une, une soeur sœur catholique à Port-Royal et sa sœur priait pour lui faisait des prières faisait des prières et tout et les curés les prêtres tout le monde faisait des prières pour Blaise pascal et Blaise pascal se faisait de la fête à un moment donné il est arrivé au bout puis il dit je suis tellement malheureux il est passé de l'autre côté et il s'est pris une chambre à Port-Royal et il a commencé à faire des prières, et des prières, et des prières, être agréable à Dieu. Et puis il a découvert que ça ne servait à rien. Et un peu plus tard, il est décédé. Et quand il est mort, on a trouvé des bouts de papier sur son bureau dans sa chambre. On a pris tous les bouts de papier, on en a fait un livre qui s'appelle Les pensées de Blaise Pascal. Et sur ces pensées, Blaise Pascal a écrit, Il y a un vide. Mais il n'a pas écrit, il y a un vide. Il a dit, il a dit, il y a un gouffre. Infini dans le cœur de l'homme. Seul un Dieu infini peut combler ce gouffre. Je ne sais pas où est Blaise Pascal aujourd'hui, mais quand je lis ses écrits, je pense qu'il est entré dans la maison du Père. On va prier ensemble. Est-ce que tu es dans la maison du Père aujourd'hui? C'est la seule question que le Seigneur te pose. Et si tu es à l'extérieur, tout a été dit, rien à rajouter, mais j'aimerais t'inviter à faire un geste aujourd'hui, de dire, je veux mettre ma vie, je veux entrer dans la maison du Père. Je ne veux plus vivre cette vie de, 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 comme le, le fils cadet. Je ne veux plus fuir. Peut-être que tu as été déçu par la religion. Alors, tu es parti complètement dans le sens inverse. Aujourd'hui, tu touches le fond, tu arrives au bout de toi-même. Et tu réalises, personne ne peut m'en donner. J'aimerais te dire, moi, je ne peux pas te donner le bonheur, cette église ne peut pas te donner le bonheur. La louange, la musique ne peut pas te donner le bonheur. Mais celui qui donne le bonheur est ici aujourd'hui. Et son nom, c'est Jésus. Et la seule chose qu'il te demande, c'est mettre ta main dans sa main. Alors que tout le monde a la tête baissée, et que les chrétiens sont en prière. Si tu te sens loin de Dieu aujourd'hui, séparé de Dieu, mais que tu maintenant tu dis, je, je suis prêt pour ce moment. C'est mon jour, c'est mon rendez-vous avec Dieu. Je, je reviens au père. Pas à la religion, pas à une église, pas à un système, à une personne. Je reviens à Dieu. J'aimerais prier pour toi. Mais j'aimerais que tu fasses un geste très significatif dans ta vie. Parce qu'avec Dieu, on ne signe pas des contrats avec, avec, un, avec un crayon. Avec Dieu, on prend des décisions dans notre cœur. Et Dieu nous prend au sérieux. Et si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Si tu lèves la main, Dieu va prendre ta main. Et si aujourd'hui, en terminant, tu es ici et tu veux dire Je suis loin de Dieu, mais je veux donner ma vie à Dieu. Merci, il y a déjà plusieurs mains qui se lèvent. Merci, merci, merci. Merci. Ce n'est pas pour tout le monde. Je suis dehors, je suis séparé de Dieu, mais aujourd'hui, je veux rentrer dans la maison du père. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Merci, vous pouvez baisser la main. Mais il y a un deuxième qui est aussi précieux pour Dieu. Je suis dans un système de pointage, de points, de mérite. Je suis en train de m'épuiser comme le fils qui travaille dans les champs pour son père. Pasteur, je comprends aujourd'hui, c'est fini. Je lâche tout. Je veux rentrer dans la maison du père. Je ne veux plus essayer de gagner des points avec Dieu pour qu'il bénisse ma vie. Je veux juste entrer dans une amitié avec Dieu et ma vie sera bénie. Et si c'est toi aujourd'hui, vraiment, vraiment, je le dis avec amour, mais il faut une repentance. Il faut que tu dises Seigneur, je te demande pardon d'essayer de mériter ton amour. Je veux juste prendre ta main aujourd'hui et entrer dans la maison du Père. Et si c'est toi aujourd'hui, comme un geste, une décision, marque la date, tu te souviendras de ce jour où tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je reviens à toi, j'arrête ce système, j'arrête d'essayer de, de mériter l'amour de mon Père, je veux juste entrer dans la maison du Père. Alors que tout le monde a la tête baissée en prière, merci pour ces mains qui se lèvent. Merci, merci, merci. Seigneur, nous prions en terminant aujourd'hui. Tu vois toutes ces mains. Tu vois ton fils, tu vois ta fille. Tu les aimes. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Et le regard du Père Céleste, non seulement est plongé sur ce lieu, j'en suis convaincu que les anges regardent ce qui se passe aujourd'hui, mais je suis aussi convaincu que le Père est ici et qu'il prend quelqu'un par la main aujourd'hui et qu'il dit Je vais t'enseigner à vivre. Je vais t'enseigner à marcher avec le Père. Je vais t'enseigner à vivre une vie dans la maison du Père. Hallelujah. On se lève ensemble en terminant. Amen. Est-ce qu'on peut juste tendre nos cœurs vers Dieu un instant, là où vous êtes Bien simplement. Peut-être si, si vous vous sentez libre, juste peut-être de lever vos mains vers le Seigneur, fermer vos yeux et commencer à lui dire merci pour ton amour. Commencez juste à lui dire, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Dites-lui, Hallelujah, que ce lieu se transforme maintenant en maison de prière. C'est Seigneur, merci, merci Seigneur. Je, je ne veux pas être ce jeune homme libertin. Je ne veux pas être ce jeune homme légaliste. Je veux être dans la maison du père. Alléluia. Enseigne-moi, Seigneur, à ne plus me mesurer. Enseigne-moi à ne plus mesurer les autres, Seigneur. Enseigne-moi à ne plus essayer de me sanctifier par mes propres forces, de me changer par mes propres forces. Enseigne-moi à venir dans la maison du père. Enseigne-moi l'amitié. Enseigne-moi la communion imméritée. Apprends-moi à te suivre, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui, Seigneur. Les musiciens s'approchent, on va adorer le Seigneur un instant ensemble. Alléluia, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu peux lui donner ta vie maintenant. Dis-lui, juste dans tes mots à toi, ta façon à toi, dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Prends mes péchés, Seigneur. Prends les choses que j'ai faites, que je regrette. Prends mes remords. Prends ma honte. Prends mon regret. Prends mon passé. Prends mes souvenirs. Prends ma mauvaise mémoire, Seigneur. J'ai honte de certaines choses que j'ai faites. Je me sens sale. Dis-lui les vraies choses. Sois vrai avec Dieu aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je me sens tellement sale, mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, j'ai tellement essayé de mériter ta bénédiction, je lâche tout aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux plus lire la Bible pour gagner des points. Je veux lire la Bible par amour. Je ne veux plus prier pour gagner des points. Je veux prier par amour. Je ne veux pas venir à l'église pour gagner des points. Je veux venir à l'église parce que j'aime mes frères et sœurs et j'aime la présence de Dieu. Je ne veux pas m'impliquer servir l'Église pour gagner des points. Je veux servir l'Église parce que Dieu m'a tellement donné. Personne ne pouvait lui en donner, mais le Père a tout donné. Le Seigneur, nous te disons merci aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. J'ai une bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur... Moi je, suis, moi, je suis juste le petit facteur. Hein? Tu sais, des fois, tu reçois un bon courrier, tu fais « waouh. Le facteur, il te regarde, il est tout content pour toi. Moi, je suis le petit facteur. La gloire est à Dieu. Parce que là, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Le premier fils, il fuit pour faire la fête. Hein? C'est vrai, hein? Et ça finit dans un trou. Le deuxième fils est en train de se creuser un trou. Et il ne fait pas la fête. Le deuxième fils du part. Moi aussi, j'aurais voulu faire la fête, mais j'ai passé mon temps à bosser. Mais regardez la bonne nouvelle. C'est que le Père leur tend la main et dit, viens dans ma maison, c'est la fête. Amen. Tu as voulu faire la fête? Viens dans ma maison, c'est la vraie fête. Arrête d'essayer de faire de la religion. Viens, c'est la fête. En Jésus, vraiment, vraiment, je vous dis ceci, il y en a, ça va vous faire du bien. Vraiment, je vous dis, parce qu'il y, y en a, je vois que c'est un problème chez vous. Ça va vous faire du bien, ce que je veux dire. En Jésus-Christ, on peut sourire. Amen. Amen. On peut se réjouir en Jésus. Tu peux être heureux. « Oui, pasteur, j'ai tellement de problèmes. C'est beau ton message, mais moi, je sors d'ici, j'ai 14 problèmes qui m'attendent. » Non, non, non. Par la foi, c'est réglé. Rentre dans la joie du Père. J'entends de perdre ma voix. Rentre dans la joie du Père. Rentre dans la maison du Père. Amen. Dans la maison, c'est la fête. Amen. Elle est où, Priscilla? Hein? On peut faire la fête? Oui, faisons la fête. Amen. Combien veulent rentrer dans la maison du Père maintenant, là? Amen. Combien sont dans la maison du Père? Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen.